Je suis amoureuse, je crois. Les relations amoureuses et leur violence pour des jeunes bercés à l'heure du numérique. Vaste sujet abordé dans Je t'aime un peu beaucoup du Brocoli Théâtre de Saint-Josse. Une pièce jouée par les élèves du collège Saint-André d'Auvelais qui souhaitent sensibiliser un public conquis à la sortie. Je trouvais que le message passé était vraiment très bien. Je trouve ça osé d'avoir fait une pièce de ce sujet parce que c'est pas tout le monde qui en fait. Elle était vraiment géniale, elle mettait un point sur ce que subissent plusieurs femmes et plusieurs hommes dans la vie de tous les jours. Le consentement, le regard des autres, la violence physique ou verbale, les scènes s'accumulent et plusieurs thématiques sont abordées, avec parfois une touche personnelle qui renvoie un message fort. J'ai eu un ex qui n'était pas très gentil, il était violent. Et du coup, je me suis directement reconnue dans certains rôles, certains passages. Et j'en suis fière en fait. Je me suis dit, bon, c'est le moment ou jamais. J'ai pas eu justice et je l'aurai jamais. Donc le fait de dénoncer comme ça sans même dire son prénom, je trouve que c'est plutôt une très très belle preuve de mon combat. Ces jeunes comédiens jouent des scènes créées au départ de témoignages, de situations réelles et de rencontres organisées avec des associations actives. Ils ont amené eux-mêmes tout ce qu'ils avaient connu ou tout ce dont ils avaient entendu parler en termes de violence entre partenaires. Et tout doucement, avec leurs professeurs et puis avec nous, les animateurs du Brocoli Théâtre, eh bien, on a créé en fait ce spectacle. Après la pièce, un débat est organisé entre les jeunes, la police et différentes associations. Un moment d'échange très important. On a pu observer qu'il y avait vraiment un écho qui se faisait et du coup les jeunes pouvaient se projeter, voire témoigner de situations qu'ils avaient d'ores et déjà vécues. La pièce a été jouée 3 fois au centre culturel Jacques Franck devant les élèves de la capitale, avec une seule et même réaction, les applaudissements d'un public à l'écoute.